là, vous voyez, devenir presque un blanc dans. She said she wants some Marvin Gaye, some Luther Vandross, a little Anita. Ok, super, j'ai une tête de folle. Bon, alors je suis avec Nicolas. Donc aujourd'hui il va faire de la magie parce que mes cheveux, j'en peux plus là. Non, ils sont très bien. On est à J-6 de la masterclass. D'ailleurs Nicolas sera ma masterclass. Donc aujourd'hui je ne sais pas si je fais une coupe carrée ou si je coupe juste mes pointes. Alors c'est quoi ton avis Nicolas? C'est quoi, déjà c'est quoi les pointes pour toi? Parce que moi quand on me dit les pointes, on a tous des pointes différentes. Il y en a qui me disent mes pointes c'est 5 mm et il y en a qui me disent mes pointes c'est 10 cm. Donc... Bah, mes pointes, je sais pas moi c'est genre ça tu vois où il y a des fourches. Enfin ouais. Oui donc t'es prête à couper ce qui est abîmé quoi. Ah oui. J'hésite à faire ça. Est-ce qu'on voit bien? Je suis trop en schlag aujourd'hui. J'ai les sourcils pas épilés. Enfin bref. Tu m'as mis dans mon pire état, tu vois. Dimanche, tu vas me regarder, tu vas dire c'est elle que j'ai vue lundi. L'imposture, mais toute ma vie, c'est ça, moi. Oh putain. Mais tu sais que dès que je vais maquiller mes clients, je suis toujours comme ça en mode. Elle va se dire sérieusement, c'est la fille d'Instagram, ça. C'est trop drôle. Bon, allez, c'est parti. Je me sens, c'est comme dans les clips là. Ouais. Ok, you know what I mean. D'ailleurs les ondulations j'adore, c'est vraiment joli. Encore plus beau au fur et à mesure de la journée, mais au moins c'est pas genre Louis XIV que merci quoi. Ah non. Nelly Olson, c'est fini quoi. Voilà. En tout cas merci beaucoup, j'aime trop. Merci Nicolas, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux. Let's go to Sephora pour pouvoir acheter le maquillage dont j'ai besoin pour la masterclass. So guys, let's go. C'est des teintes très rosées en fait. La couleur est grave belle. La cream, celle-là, trop belle. C'est ça. Mais en fait, elle a mis une espèce d'anti-cerne en fait qui est grave bien. Tu vois, c'est ce que j'utilise justement pour, tu sais, faire mettre les points de lumière. Donc en fait elle fait ça et puis après tu pars. Tu mets dessus. Tu fais ça et c'est beaucoup plus pigmenté en fait. Ok, sympa. Par contre ces fards là, moi je suis pas toujours fan. Mais ça va, elle est jolie quand même. À combien? La 64,99. Comme la plupart de toutes les palettes. Donc voilà, let's go. Ça marche. My princess is my boo. Oh là là, emmenez Tessa à Sephora. Let's go à la caisse. Là, je vais aller chez Zara. Pourquoi? Pour trouver des boucles d'oreilles pour ma modèle. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Oui, normalement c'est tout. Alors, on a fini les courses, tu fais une petite pause? Oui. Comment tu te sens à J-7? Ça va, faut que je répète encore. Do I slay my hairstyle? My new haircut. C'est important. Regarde, c'est pas trop mignon? Trop mignon. C'est quoi, une chauve-souris? Non, t'es ça. Rate the cuteness. Non, c'est pas comme race. Ah, ça doit être un chinchilla. C'est comme ça qu'on appelle ça, les petits trucs là? Je crois, ouais. Je veux un chinchilla. Avec tes ongles. Je veux un chinchilla. Mais toi, tu veux trop de choses. J'espère que vous allez bien. On a fait la répète. Pour la masterclass, je me suis entraînée. Et donc là, on va aller chercher les sacs pour les goodie bags. C'est pour on va vous emmener avec nous. On est sold out. On est sold out. On est sold out. Il annonce comme quoi il restait 2 places. Il n'y a même pas genre 1 heure. Et boum, on est sold out. This is amazing. Oh mon dieu, on est sold out. Oh my god. Oh my... Ah, ah c'est bon, on l'a perdu. Aujourd'hui, je... Pourquoi ça fait ça? Oh, je vais faire mes ongles parce que ça me va pas. C'est parti. Bien évidemment, je suis en retard. Donc, elle va me tuer. Fait mes ongles, nous avons opté pour quelque chose de plutôt long. Un petit peu plus long que d'habitude. Et elle n'ose même pas parler parce qu'elle est timide devant la caméra. Mais je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et du coup, waouh wow. Mais déjà la shape là, c'est trop beau. Voilà, merci. Merci. Bon, alors j'ai fait mes ongles. That's my nails. Ils sont trop beaux. Oh mon dieu. Elle est trop forte. Mon ticket de parking, je l'ai pas perdu. Je l'ai retrouvé. Et vous savez quoi? Il est mouillé. Donc ce qui se passe, c'est que je peux pas le mettre dans la machine. Donc j'essaie de le faire sécher avec le chauffage. Oh putain. Paye ta vie de merde. Voilà. Il essaie de sécher un peu avec le chauffage, histoire que ça passe un peu dans la machine. Parce qu'en fait il n'y a pas d'agent dans ce parking. Ils sont censés en avoir un, mais il n'y en a pas. Donc voilà. En tout cas mes ongles. Oh my god. J'espère que ma technique va fonctionner. Bon ben je vais me diriger vers la porte de sortie. J'espère que ça marche. Bon là ça a un petit peu séché quand même. Je pense que c'est un peu plus rigide quand même. Donc on va voir. Stay tuned. Oh my god. Oh my god. Est-ce que ça passe? Ah ça passe. Libération, on adore. Ok, donc là en fait je vais partir sans les pumas. Je me suis habillée comme ça. J'hésite à mettre ou pas les talons. C'est une espèce de jean de bas en vinyle avec une veste oversize. Parce que le thème est les Balenciaga. Parce que le thème c'est California, so voilà c'est... Ok les gars, je sais pas si vous m'entendez. Mon talon est vraiment trop grand. Donc à J-2 de l'événement, on est dans l'ancien appart. Et là du coup on essaye de... Enfin on va faire les goodie bags. Donc tous les cartons qui sont ici, on va devoir faire les goodie bags. Donc tout à l'heure je vais vous montrer le contenu des goodie bags. Ouvrir mon enseigne. Ok, donc. Ouais. Waouh. Ok, Dak. Et c'est comment tu le... Du coup, tu dois le retirer, c'est ça? Du coup, je pense que. Voilà, scotché, mais. Je le ferai pas là parce que j'ai pas envie de le faire. Oui, oui, oui. Voilà, waouh. Oh, c'est beau. Voilà, avec le thé. Je te le truc pas. Non. Donc voilà, vous verrez tout ça dimanche du coup. Oh my god, j'aime trop, c'est joli hein. Ouais, c'est joli. C'est cool. Cool. Les gars, regardez, j'ai eu mon cake topper. Il est trop beau, regardez. De chez Elle Décor. De toute façon, je mettrai tous les gens qui ont travaillé, participé à cet événement en dessous de la vidéo, en description. Mais franchement, c'est la même qui a fait mon enseigne. Ok, donc du coup là, on va faire les goodie bags. Petit souci avec mon appareil. Photo. On a collé les étiquettes Tess. Et là, on va vous montrer qu'est-ce que contiennent les goodie bags. Let's go! Alors, moi, je vais mettre Bioré. Et Lucie, tu mets quoi? Je vais mettre ça. Voilà, c'est parti. Continue, donc là on a une espèce de petite trousse avec plusieurs fonds de teint dedans et pour avoir déjà testé les produits de Makeup Atelier, c'est vraiment des très bons fonds de teint avec une petite éponge à l'intérieur. Alors franchement ça, je pense qu'elles vont kiffer. c'est vraiment top. Donc 4 teintes claires et 4 teintes foncées. Et Lucille, elle va mettre le petit kit de l'atelier du sourcil avec une pince à épiler et un gel coiffant pour les sourcils. Voilà, je suis trop contente. On continue. Par contre, je crois que le sac il va être vraiment très petit. Hein. Non mais, regarde. Non mais, je le mets où alors celui-là? Ah mais le milieu. Comme ça. Comme ouais. Ça ou comme ça? Parce que ça, ça va le caler. C'est pas ça, c'est que... Alors, on continue avec Huda Beauty et donc moi je vais mettre les fossiles et Lucille va mettre ses rouges à lèvres là dans les goodie bags, donc c'est parti. Yes. Ok, donc moi je vais mettre Djulicious Cosmetics, donc une petite palette avec des glitters and everything et Morphe. Lucille va mettre Morphe, des rouges à lèvres. Tu mets comment? Je sais pas parce que en fait j'ai plus qu'à aller là. Mais j'aime bien que pour l'instant le sac est très long et que le côté est pas juste. Moi je le mets de l'autre côté là. Je mets comme ça. Et fais ça de manière méthodique Tessa. Fais ligne par ligne. Oui. Hein. Parce qu'après on oublie. Après tu me dis mais pourquoi il n'y a pas là? Pourquoi il n'y a pas là? Alors s'il te plaît, fais ça bien. Tête là. Maintenant c'est au tour de Merci Handy et de Carmex. Let's go. Et elle va me crier dessus parce que j'ai pas commencé au bon endroit. Tessa, commence au fond là-bas, tu l'oublies tout le temps. Tu arrêtes de crier, d'accord? Et puis... Pas faire une criant, Léon. Bon, c'est tout. Alors, maintenant on va mettre Rexaline. Donc en fait, nous avons des petites... Rexaline, c'est une marque de cosmétiques pour les soins. Mais vraiment haut de gamme. Et franchement, c'est super bien pour tester. Et on nous a mis du Melanie Mills. Et franchement, ça, je sais pas si vous connaissez Melanie Mills. Mais Melanie Mills, ces petits pots, elle les vend à 10$. Donc en plus, il y a un petit coupon code pour les participants. Donc franchement, c'est un très très beau cadeau. Voilà, c'est parti. Les goodie bags là sont vraiment en train de se remplir. Je suis un petit peu inquiète. J'ai peur qu'ils soient trop petits. Voilà, comment tu fais? Tu laisses ça comme ça dépenser. Mais t'es sérieuse? Bien sûr que oui. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas top, c'est pas top. C'est pas top, ça prouve que le sac il est rempli. Voilà. Bon allez, comment je me fais agresser à 2 jours de la masterclass? Oui, on y va. J'ai besoin de calme moi. Ah bah oui, mais c'est toi qui n'es pas calme là. Nous avons maintenant les Beauty Blender et Claire nous a offert des petits bandeaux colorés pour se maquiller, pour mettre les cheveux en arrière. Voilà. Alors là du coup on va mettre les rouges à lèvres chez L'Oréal. On a eu des rouges à lèvres chez Balmain, enfin la collaboration avec Balmain. Donc voilà, qu'est-ce que tu voulais? J'en voulais pour mettre dans les sacs. Ah oui. Voilà. Je peux pas trop vous montrer les couleurs parce qu'en fait ils ont une petite étiquette. Mais voilà. Franchement, les goodie bags, elles sont remplies. Ok, plus beaucoup de batterie, mais Lucille là elle met des pinceaux de chez Nire. Je suis super contente parce que il n'y avait pas de pinceau vraiment. Et sans oublier que ensuite moi je vais mettre aussi ma marque Tess Cosmetics. Je vais mettre aussi des pinceaux, c'est juste que j'avais oublié de les ramener. Bref, donc voilà. Les goodie bags sont quasi complets. Franchement, je suis trop contente. On a encore ça à caser, mais on veut les caser de manière équitable. C'est pas évident. Donc, let's see. Ouais, jour J. Je me suis dit que j'allais faire un gros petit déj. Donc je mange mon petit déj en mode gospel, écoutez. When Jesus walks. Je vais pas manger ce midi, donc j'ai dit vas-y la totale. Café, chocolat, fromage, beurre, Nutella. Je sais pas si je mange tout ça. On se retrouve pour la préparation. Encore cette veste. Bon, je me suis maquillée, mais j'ai fait le premier, j'ai fait le plus gros, je vais terminer à la salle. Nicolas va venir me coiffer. Et je suis trop stressée en fait. Au début j'étais pas stressée, mais maintenant je sais pas, j'ai même pas dormi de la nuit. Là j'attends mon Uber. Aujourd'hui il y a des... il y a un peu des manifestations un peu partout, il y a Trump qui est ici, enfin bref. Un petit peu bizarre, but I got my highlight, you know. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti faire un truc comme ça? Quand le stress il monte là, tu te dis... tu réponds plus de toi-même. Whatever. Puis bien sûr je serai en retard. Voilà, c'est à côté du musée Grévin. C'est juste, vous mettre juste devant le bus là, c'est parfait. Voilà, il est là le passage, je vous ferai. Super. Par Nicolas. On est dans la cuisine qui nous sort de backstage. Voilà. Nous avons Cassandra. Hello. Bon. Les gars, je vais pas tarder à y aller. Je suis méga stressée. Hey, Cathy is here. Coucou. Salut. Parce que tout à l'heure tu filmes. Ouais. Avec ma gasolina. T'arrives en madame. Attends, elle a sur cette madame. Ah oui. Le bouton au-dessus. Le bleu? Non. Elle m'a dit en plus mes skins. Attends, fais un test là, juste par toi. Oui. Ouais, c'est bon. Ok, let's go. Je vais mettre là. Elle va t'apprendre à poser. Ça fait pas comme si j'étais une égyptienne, c'est bizarre. Bah non, attends. T'as fait, hein. Meryl, tu t'es cachée. Meryl dans le plus grand des caches. Perso, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment Tess elle travaillait le make-up, le visage, toutes ses formes, ses ombres, les lumières, enfin c'est hyper intéressant. Ouais. Et vraiment genre chapeau. Bon, on a appris plein de choses, le cadre est magnifique, Tess est très dynamique, hyper positive, donc très bon moment. Tess. Salut. Hello. Félicitations ma belle. Bravo, c'était super. C'était au top.